Pérez se félicite d'une relation saine et sans jalousie avec Max. C'était pas forcément le cas avec d'autres coéquipiers. Je pense que parfois dans le passé, il y a eu de la jalousie de la part d'un coéquipier, a déclaré Pérez. Bien sûr, vous voulez gagner, mais quand c'est votre coéquipier qui gagne, il faut lui donner du crédit. Il est fait mieux que vous. Il a gagné et vous devez l'accepter et aussi être fier de ce qu'il accomplit. Je pense que peu de gens l'acceptent. Mais nous, lorsque je gagne ou quand Max gagne, nous sommes toujours fiers l'un de l'autre. C'est une bonne chose. Magnifique. Verstappen confirme pour sa part qu'il n'avait jamais eu une bonne relation, aussi bonne donc, avec un coéquipier. Le Néerlandais évoque tout de même une bonne entente avec Ricciardo de 2016 à 2018, mais explique qu'il n'avait pas la même maturité qu'aujourd'hui. Bon, en même temps, il faudrait être difficile pour pas s'entendre avec Ricciardo. Le mec, il est cool et tout. Il n'est pas prise de tête. Il cherche pas à vous foutre des bâtons dans les roues, donc ça va quoi. Il est facile à vivre, on va dire. J'ai bien sûr débuté très jeune en F1, déclare Max, et je pense que j'avais une très bonne relation avec Daniel. Mais à l'époque, je n'avais que 18 ou 19 ans. Et la personne que je suis désormais est complètement différente. Je dirais donc que la relation que j'ai aujourd'hui avec Checo est la meilleure, parce que j'ai beaucoup mûri, pardon. Et je pense que cette approche nous aide l'un à l'autre. Et Pérez conclut en taquinant Verstappen. Je pense que tu étais un peu plus difficile lorsque tu étais plus jeune. Allez, bim! Prends-toi ça dans la gueule, Max. C'est gratuit. Non, ça va, il le dit pas méchamment, évidemment. Non, mais ils s'entendent bien, oui, bon, après... c'est facile de bien s'entendre quand l'un est beaucoup plus performant que l'autre, en fait. S'ils étaient à un dixième près, voire même moins, d'écart, et que ça se bataillait vraiment dur dur pour la victoire, l'entente serait beaucoup moins cordiale, on va dire. Là, il lui met... bon, des fois, Pérez est devant par miracle, on va dire. Mais là, je crois que de toute façon, Verstappen, il a renversé la tendance et il sera devant toute la saison. Là, il lui met au moins 3-4 dixièmes au tour, même en course. Donc, ouais, peut-être pas 3-4, ça dépend des circuits, on va dire. Entre 2 et 3, on va dire. Si c'est un circuit court ou long. Mais ouais, il y a quand même une bonne marge hein, pour Max. Hein. Donc, forcément, et Pérez, il sait qu'il est plus fort. Hein, donc, voilà. Il se dit, ça sert à rien d'aller au clash. De toute façon, je suis le P2, j'ai un bon salaire quand même. Tout va bien. S'ils n'avaient pas été la Red Bull, je serais hors de la F1. J'ai une voiture qui peut me permettre de gagner de temps en temps. Voilà, c'est le nouveau Barrichello en fait, Pérez. Et il le vit bien, ma foi. Alors tout va bien. Allez, ciao.